bella gamba. Allez chier. Mais papa. Appelez qui votre mari, madame. Tu es mon mari? Sommes-nous de... Hé! Hey! Oh, yélélélé! Sommes-nous déjà partis devant monsieur le maire un jour? C'était avant, madame. Ma chérie, viens. Viens, chérie. Chérie, c'est qui? Génie! Tout est possible. Bébé, bébé. Attends. C'est le bébé de quoi? C'est qui? Vous appelez qui votre mari? Ça c'est quoi ici là? Vous appelez qui votre mari, madame? C'est mon mari, c'est quoi ici? Ça là c'est quoi? C'est ma femme. Oh, tais-toi. C'est ma femme. Je vous ai déjà parlé comme ça un jour. C'est que je n'ai peur de rien. Vous croyez que papa peut bien me diriger pour ce pays? Donc c'est pour le réchaud à pétrole si. Quand Bobby, Bobby, je suis ta femme. Je suis ta femme. Vous aviez dit que j'étais pauvre. Vous aviez dit que j'étais pauvre. Tu te moquais de moi ici, non? Bobby, tu ne vas pas me parler. Tu ne vas pas mal me parler à cause du réchaud à pétrole. Oui, j'ai gagné au jackpot. Tu as gagné quoi? Je suis venu prendre mes habits. Il te laisse dans ta chambre. Je suis venu prendre mes habits. Ça, c'est ma femme désormais. Madame, ne me touchez pas. Je te touche. C'est chaud, c'est pas. Vous êtes sauvage. Vous êtes sauvage. Mais bébé, qu'est-ce que tu fais avec une sauvage comme ça? Parce qu'elle a peinturé les cheveux. Je vais te taper mal. Elle a mis la chose sur les cheveux. Tu disais que j'étais pauvre, non? Mais quand tu m'as acheté la voiture, tu disais maintenant que je ne suis plus avec toi. Je suis venu prendre mes habits et te laisse dans ta chambre. Moi, je te dis ça. Dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Regarde-moi une idée comme ça. C'est pour le réchaud à pétrole. Ah, c'est fini. C'est ce que tes parents t'ont envoyé venir faire. C'est elle désormais. Tu restes dans ta chambre. C'est pour les faire ces papiers-ci. Oui. Que tu veux me... Oui. Bobby. Tu es venu me forcer au mariage. Je ne suis plus rien avec toi. Tu perds ton temps. Tu me la boucles. Je dis que tu perds ton temps. Je connais. C'est mon matériel. C'est mon truc. Je connais ce type. Je sais qui il est. C'est un pauvrard. Il est pauvre du début jusqu'à la fin. En tout cas, il est pauvre. Qui est pauvre? Oui, il est là. Il a gagné un petit marché au garage. Le propriétaire est venu récupérer la voiture ici. Si tu es sage, rentre chez toi. Mais c'est plutôt à toi d'être sage. Pourquoi tu t'en fous? En tout cas, bébé, viens. Je te conseille. Les filles qui ont les cheveux jaunes sur la tête sont belles. Je ne suis pas d'abord obligé de prendre les anciens trucs. Je suis déjà riche. Entre. Je suis riche. Mais le chef de la voiture est 50 millions. Le propriétaire de la voiture, s'il va t'attraper en route, au nom de Dieu. Le propriétaire de la voiture, s'il va t'attraper. Ça vous apprendra à vous moquer des gens. Mon mari, c'était avant. Tu vas mourir dans la chambre. Attends, non. Quelque chose qui ronfle comme le tracteur. C'est sur ça que tu t'assois jusqu'à ce que tu croises les bras. T'as mauvaise bouche de Philippe, pendant que j'ai l'argent, tu ne changes pas, non? Ok, je pars alors. Tu as gagné le truc au garage, non? Le propriétaire, on va te faire sortir de la voiture là. Est-ce que j'imagine? C'est mon matériel, je connais. C'est pour. Mais ça qui est vraiment plus de marge. Regarde, c'est pour ça là. En tout cas, quand ça va plus démarrer, non? Moi, je vais rester ici avec la fille ici. Bébé, viens pas, moi je vais rester ici. Ça ne démarre plus. Ça ne démarre pas. Je vais rester ici avec la fille, si je te dis ça.